Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver pour cette cinquième journée dans cette semaine pour être puissamment fortifié. Dieu veut vous fortifier aujourd'hui et plusieurs parmi vous, vous êtes en train de passer par la maladie. Plusieurs, vous êtes peut-être fatigués moralement, physiquement, épuisés, peut-être même au bord du burn-out. Et Dieu a un plan pour vous, Dieu a une solution pour vous. Dieu veut aujourd'hui vous fortifier, non seulement dans votre corps, mais aussi dans vos pensées. Il veut vous fortifier dans votre cœur et dans vos pensées. J'aime ce verset qui dit que Jésus-Christ habite en nous par la foi. Il vient habiter en nous par la foi. C'est merveilleux. Et lorsque on commence à se positionner dans la foi, cette foi a la capacité de faire n'importe quoi pour nous. La foi de Dieu. Rappelez-vous, on en a parlé un peu hier par rapport à cette armure du croyant et le bouclier de la foi qui vient. Qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient éteindre tous les traits enflammés du malin. Le diable est un sacré menteur. Et il est tellement rusé. C'est vrai qu'on se pose la question des fois, mais comment Ève n'a pas pu le voir? Il était déguisé. Il se déguise en ange de lumière. Il se fait passer comme un lion rugissant. Il se déguise et il vient attaquer. Vous savez, on peut être dans une pièce tout seul. Il n'y a absolument personne. On n'a vu personne ni hier, ni aujourd'hui. Mais tout à coup, il y a quelque chose qui vient, des pensées, et on a l'impression que c'est nos pensées, mais ça ne nous appartient pas. Tout à coup, on commence à penser à des échecs passés, on commence à se sentir mal par rapport à notre relation avec Dieu, on commence à penser négativement, on a des mauvais souvenirs qui refont surface, mais ces choses sont sataniques. Et on a tellement besoin de mettre en pratique la parole de Dieu qui nous dit que toutes nos pensées devraient être et devrait être digne de louange, digne d'approbation. Ces pensées à l'intérieur de nous, elles devraient être justes. Elles devraient être en accord avec la parole de Dieu. Et on a besoin de faire attention à nos pensées au sein de la maladie, au sein de la fatigue, avant de rencontrer ces deux ennemis. Nous avons besoin avant, pendant et après de faire attention à nous. Rappelez-vous ce qu'on a lu hier dans Éphésiens au chapitre 6, on aurait pu le relire. L'apôtre encourage les croyants à prendre l'armure du croyant, à mettre l'armure du croyant. Et il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Et il dira, c'est pourquoi prenez toutes ces armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, il y a ce qu'on fait avant le mauvais jour, on se fortifie. Il y a le mauvais jour et plusieurs parmi vous, vous êtes vraiment dans ce jour mauvais. Et j'aimerais vous dire que le jour va passer et un autre jour va se lever pour vous. Et après ce mauvais jour, il dit, et après avoir tout surmonté, tenir ferme. On a besoin d'être ferme dans nos pensées, d'attacher les reins de nos raisonnements, de les ceindre, vraiment de les attacher, faire attention à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et aujourd'hui, on a un témoignage d'une sœur qui justement est passée par là. En fait, elle a eu des soucis au niveau de ses études, elle a commencé à se perdre, elle était vraiment découragée par rapport à ses études, des problèmes d'entretien au niveau du travail, des problèmes financiers, le compte rouge, etc. Elle a commencé à chercher sur Internet des musiques, des louanges qui pourraient l'encourager parce qu'elle venait d'une famille chrétienne. Et c'est là qu'elle a découvert Hosanna, l'émission Hosanna sur EMCI-TV. Et ça l'a fortifiée, elle a découvert nos autres émissions. Et là, elle était fortifiée. Et un jour, en regardant une de nos émissions, Bonjour chez vous, elle était là, elle avait des maux de tête, etc. Et elle dit, vers octobre 2017, j'ai ressenti des douleurs dans mon corps, des maux de tête, des douleurs un peu partout. Je suis très sensible depuis toute petite, j'ai toujours des allergies, le nez bouché, la tête qui me fait mal, la toux. Mais le 21 novembre 2017, alors qu'elle était dans ses douleurs, ses maux de tête, etc., elle a fait une prière pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Elle a renoncé à sa propre vie, puisqu'elle vivait éloignée de Dieu. Elle a dit, Seigneur, vraiment, je veux maintenant que tu conduises, que tu orientes ma vie. Je veux faire de toi le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Elle dit, j'ai été guérie. Ma toux a complètement disparu, c'est un miracle de Dieu parce que je traînais ma toux depuis déjà 2 ans. Mes allergies sont parties, je prenais des médicaments anti-allergiques presque tous les jours et voilà que je suis complètement guéri.
Alors vraiment, remercie le Seigneur pour la puissance qu'il manifeste à travers Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu terrasser, écraser les œuvres du diable. Il a dépouillé les principautés sataniques. Il les a dépouillés. Tout ce qui venait contre vous pour vous rendre malade, il les a dépouillés de leur puissance pour que vous soyez forts, inébranlables. Et elle dit, après avoir témoigné, elle dit « Mais aujourd'hui, je me sens fatigué. Je viens de recevoir un email d'une école où j'ai postulé, j'ai passé les entretiens et c'est encore une réponse défavorable. Je me suis effondré en larmes. » Elle dit « Ça fait un an que je marche avec le Seigneur et je n'arrive pas à trouver, à être accepté dans aucun établissement. Et de temps en temps, mes maux de tête reviennent. » Et elle dit « Je me sens vraiment stressé et découragé. » On a besoin d'être fort dans nos pensées. Et je veux prier pour toi et pour tous ceux qui passent par de telles difficultés. Priez, mais on va prier tout à l'heure, mais aussi vous encourager à être fort dans vos pensées. Et vous voyez ce qui est intéressant dans ce témoignage, comme dans beaucoup d'autres, c'est que quand on commence à vivre des choses difficiles, que ce soit des attaques, que ce soit des choses qui ne vont pas dans nos finances, dans la famille, etc., c'est comme si c'était accompagné d'oppression spirituelle, de découragement, de fatigue même physique. Et si on ne fait pas attention, si on ne veille pas, alors qu'est-ce qui va se passer? Si on ne fait pas attention à nos pensées, on va ouvrir des portes à la maladie. Tout à coup, on se sent fatigué, on commence à parler selon notre fatigue, selon notre découragement, on ouvre des portes à la maladie et nous voici malades, incapables de pouvoir répondre à l'appel de Dieu. Non, Dieu veut nous fortifier aujourd'hui. Et il y a un passage vraiment intéressant dans Hébreux chapitre 11, un passage sur lequel on ne parle pas souvent. Vous savez, on va parler souvent de Hébreux 11, les premiers versets qui nous donnent une définition de la foi. On va souvent parler de Abel, de Enoch ou encore d'Abraham dans ce passage, ou de Moïse même. Mais un peu plus loin, au verset 32, l'auteur dit « Que dirais-je encore, car le temps me manquerait si je passais en revue Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, on en a parlé un peu hier, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, on en a parlé en début de semaine, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée. » Et ici, un verset, une phrase intéressante, « Reprirent des forces après avoir été malades. » Reprirent des forces après avoir été malades. Et un peu plus loin, furent vaillants à la guerre et mirent en déroute, en fuite des armées étrangères. Ça veut dire que parmi Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes, il y en a qui parmi eux, parmi ces modèles, qui sont pour nous des modèles, certains qui ont été malades et qui ont repris des forces après avoir été malades. La maladie n'est pas une finalité. Ce lit peut-être d'hôpital sur lequel vous êtes n'est pas une finalité. La fatigue que vous traversez aujourd'hui, ce n'est pas la fin, ce n'est pas terminé. Et je me souviens lorsque j'étais au Congo, à Uvira, on était allé dans une conférence avec mon épouse, on avait été invité. Et dans cette ville, on a été invité la veille au soir avant cette conférence, ou c'était en fait pendant la conférence, à manger chez des gens. Et je n'avais pas vraiment faim, mais bon, j'ai été pour faire plaisir aux personnes qui voulaient nous inviter. Et là, on a mangé quelque chose qui n'était pas bon. Et dans la nuit, je n'ai jamais été aussi malade de ma vie. C'était terrible. C'était terrible. Et je me souviens, excusez-moi les détails, mais même en vomissant, je disais en vomissant, « Seigneur Jésus-Christ, merci parce que je suis guéri. Merci parce que je suis guéri. » Et c'était tellement pas agréable. On est venu me chercher vers 5h, 6h du matin pour aller faire des baptêmes dans un lac. Et j'ai dit, « Non, je suis désolé, mais je ne vais pas venir. » J'étais tellement faible. Toute la nuit malade, c'était terrible. Et le matin, en allant dans cette église, le Saint-Esprit m'avait donné un message. J'avais un message pour Uvira, j'avais un message pour cette église. Et parce que j'avais un message, il était absolument nécessaire que je puisse l'apporter dans cette église locale. Alors j'y suis allé, c'était vraiment difficile avec mon épouse. Elle était bien moins malade que moi. Et plus de fois peut-être. Ou alors elle avait moins mangé, je ne sais pas. Et en tout cas, on était là dans la louange, pendant la louange, et ça, c'était une belle louange, les gens étaient dynamiques, etc. Il y avait beaucoup de monde. Et nous deux, on était assis et à boire du coca, un peu de coca. pendant la Sainte Cène, j'ai essayé d'aller quelque part, trouver des toilettes pour aller vomir encore. Et finalement, bon, je n'ai pas pu.
Et j'avais pris un sac plastique avec moi dans mon costume. À l'intérieur de moi, je me suis dit, mais je vais prêcher parce que je dois prêcher. Si jamais il faut que je vomisse, je m'en fiche. Je vomirai, mais au moins, je partagerai la parole de Dieu. Alors, c'est la première fois que ça m'est arrivé, la seule fois, mais c'est passé quelque chose de spécial. Au moment où on m'a demandé de me lever pour aller apporter la parole de Dieu, les gens ne savaient pas, bien sûr, ce qui se passait. Peut-être ils se sont dit, oh, les deux blancs, là, ils dansent pas, ils n'ont pas l'air très joyeux. Ils ne savaient pas ce qui s'était passé. D'ailleurs, ils ne l'ont jamais su. Et je suis allé sur l'estrade. J'ai pris le micro. Et quand j'ai pris le micro et que j'ai commencé simplement à ouvrir ma bouche, j'ai été instantanément guéri. En un instant, totalement libéré. Il y a une chose, c'est que quand on a un but, quand on va quelque part, je crois que quand on veut accomplir la volonté de Dieu, quand on résiste à la maladie, quand on est prêt à mourir s'il le fallait parce qu'il faut qu'on accomplisse la volonté de Dieu, il y a une telle puissance dans l'humilité, dans le fait de se remettre entre les mains de Dieu, de vouloir accomplir sa volonté, que cette puissance vient détruire les œuvres sataniques. Parmi ces héros, il y en a qui sont passés par des temps de maladie, et parfois parce qu'effectivement, ils ont mangé des choses qui étaient mauvaises, parfois à cause de l'Évangile. Par exemple, dans Philippiens, chapitre 2, l'apôtre Paul va parler d'Épaphrodite, un compagnon dans la foi, Épaphrodite. Et au verset 27, il dit « Il a été malade. En effet, tout près de la mort. » Donc, c'était une sacrée maladie. « Mais Dieu a eu compassion de lui. » Gloire à Dieu, il est tellement bon. « Mais non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'ai pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec beaucoup d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le revoir et que je sois moi-même moins triste. » Et là, on pourrait se dire « Oui, c'est vrai, voilà, bon. » Oh, Épaphrodite, voilà, il a été malade. Peut-être, je ne sais pas, il a attrapé la grippe à la mode ou je ne sais quoi. Mais un peu plus loin, il dit « Recevez-le dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes, car c'est pour l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Christ, qu'il a été prêt de mourir, ayant exposé sa vie, afin de suppléer à l'absence de votre service pour moi. » En fait, il y avait tellement de travail dans le royaume de Dieu, il y avait tellement de travail que Épaphrodite, en fait, a eu un burn-out. Il a tellement travaillé, et il est passé par ce temps de difficultés physiques. Et je proclame au nom de Jésus-Christ que plusieurs personnes parmi vous qui avaient ce genre de burn-out, vous êtes guéris au nom de Jésus-Christ. Je veux déclarer dans le Seigneur Jésus-Christ que vous allez retrouver vos forces. Il y a une vitalité qui va aller à l'intérieur de vous, une force nouvelle, des forces renouvelées dans le Seigneur Jésus-Christ. Et le diable qui était venu là pour vous écraser et vous êtes fait des scénarios dans votre tête que vous allez devenir comme handicapé, incapable de faire quoi que ce soit, que vous ne pourriez pas retrouver votre travail ou votre service pour le Seigneur, ces choses maintenant sont terrassées, dépouillées au nom de Jésus-Christ. Je veux déclarer vraiment des forces nouvelles dans votre corps, dans le nom de Jésus-Christ. Et il est passé par là. Pour l'œuvre de Dieu, même l'apôtre Paul est passé par des temps difficiles. Il dit dans Galates, au chapitre 4, au verset 13, il dit, « Vous le savez, ce fut à cause d'une faiblesse de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'Évangile. » Alors, sur cette traduction que j'ai trouvée, une seule traduction parle de maladie. Ce n'est pas une maladie, mais c'est une faiblesse de la chair. Il dit, « Et mis à l'épreuve à cause de ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme le Christ Jésus. Où est donc l'expression de votre bonheur? Car je vous rends ce témoignage que si cela avait été possible, vous seriez arraché les yeux pour me les donner. » Et alors, ça va avec un autre passage de la parole de Dieu dans 2 Corinthiens, au chapitre 12, où, une fois de plus, l'apôtre Paul va parler de ce qui a été appelé son écharde dans la chair, qui vont être ici des mauvais esprits, des persécutions, partout où il va aller, qui vont venir contre lui. Et ces persécutions vont être attachées à parfois des lapidations. Nous savons qu'il a été lapidé. Nous savons qu'il a été plusieurs fois fouetté, 40 coups moins 1. Nous savons qu'avec ça, il y a eu bien sûr des coups de poing, il y a eu des sévices corporels, toutes sortes de choses
terrible. Et personnellement, je crois que ici et lorsqu'il était écrit, qu'il écrit avec des grandes lettres, avec sa propre main, que parce qu'il a été frappé, etc., apparemment, à un moment, il y a eu quelque chose au niveau de ses yeux. Et je crois personnellement, c'est ma conviction personnelle, que c'est suite à une persécution qu'il a eue. Peut-être on l'a frappé, ça a commencé à créer quelque chose dans son œil, et que petit à petit, bah voilà, ça a créé comme un problème. Il a dû être déplacé, rencontrer ses frères, mais le Seigneur l'a fortifié. On sait par exemple qu'un jour, il va être lapidé, et que le lendemain, après avoir été entouré par les frères, il se met à prêcher l'Évangile. Donc, il était dans une vie du surnaturel. Mais dans cette vie du surnaturel, il est arrivé que parce qu'on l'a frappé, parce qu'on l'a lapidé, ou des fois peut-être qu'il a été extrêmement fatigué et que ça a commencé à créer en lui des portes ouvertes à la maladie. Mais la Bible nous dit dans Hébreux 11 que ces hommes de foi ont repris des forces après avoir été malades. Être malade, frères et sœurs, je sais qu'on en parle dans les églises et parfois on met une condamnation sur ceux qui sont malades. Ceux qui sont malades, même, il y en a même qui ne veulent même pas aller à l'église parce que, non pas parce qu'ils sont malades, parce qu'ils n'ont pas de force, parce qu'ils ne veulent pas être jugés. Être malade, ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous. Dieu ne veut pas qu'on soit malade, Dieu veut qu'on soit en bonne santé. Mais il arrive des situations où pour des raisons, qu'elles soient naturelles, qu'elles soient spirituelles, des fois c'est de notre faute, parce qu'on gère mal notre corps, parce qu'on travaille trop, parce qu'on n'est pas équilibré, parce qu'on a une très mauvaise confession, parce qu'on a des mauvaises pensées et que nos pensées sont tellement faibles, on est entouré de personnes qui parlent tout constamment de maladie et nous-mêmes, on est très très ancré dans la maladie. On imagine que notre retraite, on va finir dans un hôpital et malade et qu'on n'arrivera plus à marcher. Si c'est votre cas, alors on doit être transformé dans... Vous devez vraiment être transformé dans vos façons de penser, dans vos raisonnements, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu pour vous. Dieu veut que vous soyez en bonne santé, que vous viviez de longs jours en bonne santé, que vous soyez vraiment pourvu dans votre corps, rassasié de longs jours. Ça, c'est la parfaite volonté de Dieu pour vous. Et vous savez, il y a toujours deux types de personnes. Il y a toujours les gens qui vont aller voir à Job, qui a été malade, à Trophime, que Paul a laissé malade à Millet. Mais ce n'est pas parce que Paul a laissé malade cet homme à Millet que c'était la volonté de Dieu que cet homme soit malade. Pas du tout. Paul n'est pas Jésus-Christ. Jésus-Christ est mon exemple. Je ne sais pas vous, mais il est mon exemple. Job n'est pas mon exemple. L'apôtre Paul n'est pas mon exemple par excellence et Trophime non plus. Mon exemple par excellence, c'est Jésus-Christ. Plus on va s'éloigner de cet exemple et plus on va regarder à des hommes et plus on va vivre comme les hommes. Mon exemple, c'est Jésus-Christ et par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Maintenant, si on a ouvert une porte ou si simplement c'est une attaque spirituelle ou si, comme dans l'exemple que j'ai donné, on a mangé quelque chose de mauvais ou quelque chose comme ça. Et des fois, vous savez, il peut arriver des gens, ils peuvent avoir la malaria, par exemple, ils se font piqué ou un poison, il y a toutes sortes de situations, toutes sortes de difficultés. Ok, on est passé par là, on est peut-être très fatigué. Plusieurs parmi vous, on en a parlé du burn-out, vous êtes extrêmement fatigué, épuisé. D'autres, vous avez des maladies qui font que vous êtes empêché de pouvoir porter du fruit pour le royaume de Dieu. Ok, c'est une chose maintenant. Au sein de la maladie, au sein de la fatigue, Dieu veut vous fortifier. Il veut que vous soyez puissamment fortifiés dans votre être intérieur, dans vos pensées. Saignez les reins de votre entendement. Il veut que vous soyez fort dans vos pensées pour que vous soyez fort dans votre corps. Mais il y a une chose qu'on doit comprendre, c'est que la maladie n'est pas le plan de Dieu. Je sais que plusieurs personnes, de plusieurs doctrines, plusieurs façons de penser, plusieurs courants de pensée, etc. M'écoute aujourd'hui, me regarde. Et maintenant, qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Qui est votre exemple? Jésus-Christ est l'agneau de Dieu. Il a été brisé. Ésaïe 53 nous dit que il a porté nos souffrances. Il s'est chargé de nos maladies. Il les a portées sur lui. Il les a portés. Et par ses meurtrissures, nous avons
était guéri. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Ça, c'est la vérité. Maintenant, si je traverse l'ombre de la vallée de la mort, le Seigneur est avec moi. Et j'aimerais vous dire, j'aimerais te dire, mon ami, que le Seigneur est avec toi. Et le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, ce même Saint-Esprit veut redonner la vigueur à tes membres. Oui, la foi est là pour ne pas tomber malade. Mais si la foi a manqué et que nous sommes malades, si la foi a manqué et que nous sommes extrêmement épuisés, la foi ou la sagesse ou un autre élément dont nous aurions eu besoin pour ne pas passer par là, si nous avons été attaqués, la foi est là pour reprendre des forces et servir le Seigneur. Et j'ai donné tout à l'heure cet exemple au Congo parce que plusieurs d'entre vous, pour sortir de cet état, vous avez besoin d'une vision. Sans vision, le peuple est sans frein, il ne va nulle part. Et il y a des personnes qui malheureusement meurent parce qu'elles manquent de vision. La vision nous pousse à être déterminés. La vision, elle peut créer même la foi à travers la parole de Dieu. Parce qu'on dit au Seigneur, je ne veux pas mourir, je veux te servir, je veux vivre pour toi. Et je crois que quelqu'un qui est mort, vous savez, il ne peut pas être malade. On a besoin de mourir à nous-mêmes. Et je voudrais aujourd'hui, vous qui êtes fatigués, vous qui êtes malades, vous encourager à faire une simple prière et à dire à Dieu, vous pouvez répéter ces paroles après moi, dans ce temps de prière. Si ces paroles vous êtes en accord avec, ça résonne en vous, vous pouvez dire, Dieu, je viens à toi aujourd'hui avec mes difficultés, mes faiblesses, mais je veux vivre pour toi. Je renonce à ma vie, à mes péchés, à tout ce qui aurait pu m'amener aux choses que je vis en ce moment. Et je veux te dire, Dieu, je veux vivre à 100% pour toi. Je veux te servir. Je veux que ma vie te soit agréable. Je désire accomplir ta volonté. Avec vos paroles, dites au Seigneur, donnez-lui tout. Car comme je le dis, plusieurs d'entre vous, vous n'avez pas de vision. Ou alors, vous n'êtes pas en train de servir le Seigneur. Et vous êtes semblable à cet arbre, ce figuier que le maître vient regarder, observer. Il attend du fruit de sa part, mais il n'y a pas de fruit. Et alors, le Seigneur dit, non, encore un an, il va peut-être porter du fruit. Bien sûr, ce n'est pas tous, mais il y en a plusieurs parmi vous. Vous êtes dans cette situation parce que vous n'avez vécu que pour vous-même. Et aujourd'hui, c'est une opportunité que le Seigneur vous offre de tout lui donner. Donnez-vous tout entier à Dieu. C'est ce que dit la parole de Dieu. Donnez-vous tout entier à Dieu. Alléluia. Le Seigneur veut vous fortifier aujourd'hui. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je veux prier pour vous. Père, je prie pour ces personnes. Cette sœur dont nous avons lu le témoignage, ces frères et ces sœurs qui regardent aujourd'hui, je prie qu'ils soient puissamment fortifiés dans leur être intérieur par le Saint-Esprit. Je prie que tu donnes de la vigueur à leurs membres, d'une force nouvelle, des forces renouvelées, et que cette foi que tu leur as donnée leur permette de sortir de cette situation, de sortir de ce mauvais jour et de tenir ferme. Oui, Père, je prie qu'ils soient forts, puissamment fortifiés, qu'ils tiennent ferme devant les manœuvres aussi sataniques,
Ta parole déclare qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre ces esprits méchants. Et vous pouvez déclarer avec moi, je résiste aux esprits méchants qui veulent attenter à ma vie. Je résiste aux esprits de maladie et je déclare au nom de Jésus-Christ qu'ils n'ont aucun pouvoir sur moi, mais que par les meurtrissures de Jésus-Christ, j'ai été guéri. Je déclare maintenant que je suis guéri, que je reprends des forces, que je retrouve une vitalité plus grande encore que celle que j'avais avant de traverser cette épreuve. Je suis fort dans le Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit ressuscite en moi la vie, la force, la vigueur, la puissance. J'ai dans le Seigneur la vie, le mouvement et l'être. Au nom de Jésus-Christ, je me relève de cette situation et je porterai des fruits pour le royaume de Dieu. Aujourd'hui, demain et pour l'éternité, ma vie sur cette terre, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu qui s'est livré lui-même pour moi afin que je puisse vivre pour lui. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je veux maintenant prendre autorité sur toute maladie. Maladie, au nom de Jésus-Christ, je vous ordonne maintenant de quitter les corps, les vies, tout cancer maintenant disparaît. Et une personne, vous avez un strabisme, et maintenant même, le Seigneur Jésus vous guérit. Strabisme maintenant, tu disparais. J'ordonne à ses yeux maintenant, je vous ordonne d'être droit parfaitement, de fonctionner parfaitement dans le nom de Jésus-Christ. Et je vais en profiter pour toute personne qui porte des lunettes, qui a des problèmes de vue maintenant même. Recevez une guérison au nom de Jésus-Christ. Il y a une fatigue qui est venue dans plusieurs. Ça vous a amené à porter des lunettes. Et maintenant, je vais m'opposer à cela dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Une personne qui doit avoir une greffe de la moelle épinière, je ne sais pas exactement ce par quoi vous traversez, mais je veux déclarer au nom de Jésus la gloire de Dieu sur vous, la puissance de Dieu sur vous maintenant. Personne qui a des problèmes aux orteils maintenant, soyez guéris, libérés maintenant. Alléluia, la puissance de Jésus-Christ sur vous maintenant. Père, je prie au nom de Jésus-Christ que tous ces malades soient guéris et que ta puissance se manifeste maintenant sur eux. Je te glorifie, Seigneur, pour le nom de Jésus-Christ, qui est le nom le plus élevé au-dessus de toute maladie, au-dessus de tout nom. Je déclare ta gloire, Seigneur Jésus. Merci.